on arrête YouTube. C'était tous vos messages. ADVBL, elle faisait tout. Hey, la famille est en train de manger depuis tout ce temps. Ça, on en avait marre, frère. Non, en vrai de vrai, on n'a pas d'excuses. Est-ce qu'on a des excuses? Yo, on sort des excuses bidon. Là, c'est parce qu'en fait, j'avais mal au poignet. Ouais, la caméra était trop lourde. Non, en réalité, les frères, on avait la flemme. On a le droit, les frères. Ouais, vous faites plus de vidéos, ça fait un mois et demi. C'est bon. On a fait un vrai repos. La tête d'homme, jamais autant reposée. Carrément, je croyais que j'avais arrêté. C'était fini pour moi tout ça. Je vais plus reprendre là. Non, mais les refs. Après, faut pas oublier que février, il y a un gros projet qui sort qu'on a travaillé. Et là, du coup, la famille, petite vidéo chill, on revient tranquillement. Que moi et Adem sans les sœurs. Du coup voilà. Ça aussi ça fait du bien. Vous avez vu le titre, la famille, ça va être produit en gros des objets de luxe ou commun. On va devoir deviner si c'est un produit de luxe ou commun. Regardez là Adem, vous croyez qu'il est habillé de luxe, mais c'est un clochard. Pour toi je suis luxe ou commun là? Quand je regarde ta veste, on dirait luxe, mais c'est Adidas. Ça veut dire que c'est commun. T'as un commun à 150 balles. Et moi quand tu me... Ça rentre pas dans le luxe les 150 balles, si? Non, luxe, quand on parle de marque de luxe là, c'est vraiment luxe mon pote. Bon du coup Adem, t'as capté ou pas le délire? Ouais, en gros ouais. Et il va falloir deviner le prix aussi. Voilà, on va essayer de juger et on verra qui va remporter le plus de points, qui va capter ce qui est de luxe ou commun, tout simplement. On a l'ordinateur qui est juste ici, la famille, pour voir. Donc la famille c'est parti, maximum de pouces bleus. Voilà pour le retour, petite vidéo tranquille. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Bon on vous laisse à la vidéo, bon visionnage. C'est parti. Wesh, ouais. Qui m'arrive? M'arrive. D'accord. Attends Adem, je crois qu'on doit leur parler de quelque chose là tout de suite. Bon la famille, avant de commencer la vidéo, on voulait vous parler de Saint Seiya Legend of Justice. C'est un manga culte qui a bercé notre enfance personnellement. Alors c'est l'histoire d'un chevalier du Zodiaque qui protège la déesse Athéna contre les forces du mal. Et aujourd'hui vous pouvez revivre cette histoire épique à travers le jeu mobile Saint Seiya Legend of Justice. Alors la famille, c'est un jeu RPG et il a vraiment une adaptation fidèle du manga. Bien sûr, il y a les voix originales des personnages, les animations, elles sont incroyables. Et bien sûr, sans oublier, il y a toutes les musiques emblématiques. Vous pouvez collectionner et faire évoluer vos chevaliers préférés, les équiper d'armures, de techniques et les faire combattre dans des modes solo ou multijoueurs. Ça veut dire que vous pouvez faire vos meilleures équipes pour gagner les combats. Bien évidemment, le jeu est en mode portrait, et c'est ça qui te permet de jouer facilement avec une seule main. De toute façon, je joue avec les pieds, frère. Et peu importe où t'es, tu peux jouer. Ça qui est bien. Après, si vous n'avez pas le temps de jouer comme moi, parce que je suis un mec occupé, et bah vous pouvez activer le mode passif. Ça vous permet du coup d'accumuler des ressources et des bonus sans rien faire. Mais la famille, c'est pas tout. Le jeu vient de sortir la nouvelle mise à jour de Noël avec plein de surprises. Et la plus grosse surprise, vous savez c'est quoi? C'est l'introduction d'Iki en armure divine, tout simplement le personnage le plus puissant du jeu. Iki, c'est le frère de Shun, c'est le chevalier d'Andromède, et il a reçu l'armure divine du Phénix, qui lui donne une force et une résistance incroyables. Comme moi. Après, Iki, moi je vous le dis, il est vraiment indispensable pour gagner vos combats, surtout les combats difficiles. Il inflige des dégâts énormes, il se régénère, et même il se ressuscite. La famille, si toi aussi tu veux obtenir Iki, il faut participer aux événements spéciaux de la nouvelle mise à jour, qui va t'offrir des récompenses exclusives. Vous pourrez planter du gui dans le jeu, ça vous donnera des objets pour échanger contre des chevaliers puissants, comme Iki, mais aussi des cadres d'avatar uniques. Pour aussi profiter du calendrier de l'Avent de Saint Seiya, qui va t'offrir chaque jour une affiche de personnages avec des lots gratuits, dont un cadre d'avatar de Noël. Et si vous voulez encore plus kiffer, vous pouvez participer aux autres événements amusants sur la page Facebook du jeu. C'est là-bas que vous pourrez gagner des cadeaux et parler aux autres joueurs. Regardez la famille, je vous montre un code qui vous permettra de récupérer un booster pour améliorer vos chevaliers par la suite. Les frères, vous attendez quoi pour télécharger le jeu Saint Seiya et rejoindre la communauté du chevalier du Zodiaque? Vous avez le lien en description de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Bon, la famille, on repart à la vidéo. Let's go. Bon, les amis, on va commencer avec le premier vêtement. En fait, c'est quoi? Ça peut être un objet aussi? Objet, vêtement, ça dépend ce qui va. C'est Léa qui a tout trouvé parce que j'ai pas pu chercher de moi-même. D'accord. Du coup, bah, je sais pas ce qui nous attend, on verra bien. Ok, ça s'affiche à l'écran maintenant. Comment elle est dard? C'est qui elle? C'est la meuf, le luxe ou les vêtements? Hein? J'ai pas capté le pélo, voilà. Non, mais en vrai de vrai, là, c'est quoi? C'est le sac? C'est la robe, ok. Vas-y frère. Non, on va pas se mytho. Ah, attends, faut regarder les détails. Donc, il y a rien d'apparent. On est d'accord. Non, attends. J'arrive pas à capter. Pour moi, ça c'est jamais du luxe, ça c'est du H&M. On dirait vraiment un beignet Donuts Simpson, genre la couleur. Moi, je pense pas que c'est du luxe, vraiment. La famille, dites en commentaire, vous en pensez quoi? Participez avec nous. Regarde la tête de la meuf, elle veut faire la star. C'est un quoi son sac? Je sais pas. Ah, on dirait de la marque. Bah attends, regarde sa tête, elle veut faire la Rosta, mais pourquoi faire en fait? Parce que je sais très bien que tu t'habilles chez Zara, ma gueule. Après, dis-toi, il y a des gens qui s'habillent de luxe. Et ça se voit pas. Ouais, on dirait même.
Attends, t'as dit combien? J'ai dit 150 euros, frère. 395, c'est impossible. Balenciaga aussi. Mais tu vois, je savais. À vous, je suis fort. Allez, hop. Oh, on passe à combien de points, là? Non, mais là, ça prouve que les humains qui disent « Ouais, moi, je veux acheter une casquette Balenciaga de luxe », ça sert à rien, mon pote. 395 euros, j'ai même pas remarqué ce que t'avais sur la tête. Après, j'avoue, moi, je suis le style de mec, quand t'achètes des trucs de luxe, Zama, autant que ça se voit. Zama, non, les plus riches sont ceux qui achètent du luxe, ça se voit pas. Bah, t'es con. Autant acheter un truc qui habille. Ouais. Et... parce que tu le fais pour les gens, pas pour toi. Bah oui. On a clairement la réponse. Bah oui. Je m'habille pour que les gens voient que je suis bien habillé. Pourquoi pour moi je me vois pas, moi? Surtout ouais. Si c'est sur ma tête, je le vois pas. Ouais, c'est vrai. frère. En tout cas, plus 2 points pour moi. C'est comment on appelle ça, Léa? Le mood de effet déchiré et tout. Destroy. Destroy. Bah je t'ai destroyé là. C'est une casquette que tu peux acheter? Non, non. Ah, j'ai eu peur. Moi, si j'achète à ce prix-là, il y a les Gucci à 340 euros, il y a écrit GGGGG partout. Ouais, Gucci, au voilà. Moins on sait ce qu'on a quoi. Voilà, c'est ça que j'achèterais moi. Wesh. Alors là, on a... c'est quoi cette paire de lunettes d'OVNI? C'est horrible. C'est les lunettes de Jules. Non, tu vois, pour moi, je connais un peu les styles décalés des marques de luxe. Arrête de me faire un connaisseur si, en luxe. Si, je connais les trucs décalés, là. Tu vois, ça, c'est du Balenciaga ou du Cartier, ça. Eh, je te jure, il va flop, ça va coûter 3 euros. KO. Ça, c'est des trucs de marché pour moi, frère. C'est des petits médecins. Non, pour moi, c'est du luxe. Pour moi, on est 150 euros, ça. 150 ? Ouais, minimum. Non, pour moi, ça, c'est du commun, les frères. Moi, je dis 8 euros, la paire de lunettes, là. Pas plus, frère. 8 euros ? Mais ouais, j'adème. Et vous en dites quoi, la famille ? Lunettes aliens, je dis quoi ? C'est des aliens. Combien ? 14 euros ! Voilà, j'ai déjà vu chez Balenciaga des cils décalés comme non, ça. Non, t'as rien vu du tout. Pour ta défense, la vie de ma mère, il y a les mêmes. Voilà, tu vois. Ah. Je savais, j'avais déjà vu quelque part. Ok, mais là, frère, moi j'ai capté direct. Attends. C'est possible. Qui achète ça? En tout cas, je suis trop chaud. Lunettes alien, j'ai deviné, 14 euros. C'est quoi le site? Beaufland. Ouais, c'est un truc de beauf, c'est ton site, ça. T'aurais dû connaître que c'était 14 euros. Je suis pas un beauf, moi, Pélo, au lieu. prochain produit. Oh lolo, mais ça... mais frère, c'est quoi cette peau de vache? Mais Adem, ça c'est pas un produit de luxe. Non, ça c'est impossible. Quelle marque de luxe fait ça aujourd'hui? Ah, j'y crois pas ça. C'est une vachette, wesh. Non, pour moi, c'est fort possible. Après, t'as vu les gens qui font des... ouais, les trucs de mannequins, ils viennent avec des trucs de clochard et c'est du luxe. Ouais, ceux qui s'habillent là, qui marchent et tout là à Paris, les défilés de mode. La tête d'homme, des fois, ils mettent des trucs comme ça, genre, et ça coûte une blinde. Ouais, c'est genre ça, c'est genre, tu sais quoi? C'est genre une marque lambda qui fait une collaboration avec une grande marque. Ouais, genre collaboration Gucci avec la vache qui rit. J'ai pas capté. Attends, la tête d'homme, il a raison. La tête, je mets 400 balles. Ils vont pas m'avoir, eux. Moi aussi, je mets luxe. 700 balles la veste, frère. Produit de luxe aussi. Alors. Oui, je dis pas. Mais... ah, 11 euros. Non, en vrai, tant mieux. Même tant mieux, je me suis trompé, genre. La tête d'homme, c'était pas possible. Oh, ouais, j'ai le seum de m'être trompé encore. Oh, une dinguerie, ça vient d'où ça? Amazon, ok. Léa, on est d'accord. Ça peut apparaître ça dans les défilés. Ah, on est d'accord. En plus, dis-toi, les gens ils rajoutent rien. Ils viennent comme ça, nus en dessous, genre. En vrai, ça me rassure que ce soit commun, la tête d'homme. Mais bon, c'est. Même ça, c'est pas commun pour moi qui mets ça, wesh. Ouais. Pour moi, c'est pire que commun. Non, arrête, c'est quoi ça? Déjà, on sait même pas si c'est une perruque, des chaussons. Attends, mais c'est. Un couvre-chef, casquette, façon. Ah, le truc de meuf là, les bonnets de meuf. C'est une perruque. Là, c'est une casquette qui tombe, genre. Ouais. Attends, mais. Non. Attendez, le monteur, tu peux me mettre sur moi juste pour voir comment ça fait? C'est pas possible. Non. C'est une perruque. Non, ça c'est commun, ça s'achète. Ça s'achète à Jiffy, ça. Moi, ça c'est de la déco, ça. Là, ça c'est le truc vraiment, tu mets le manche à balai, ouais, c'est une serpillère. Ah. Vas-y. Manche à balai. 8,50€. Commun. Ah, je sens le piège. Non, 8,50€, frère. Imagine, ça coûte 600 balles. Mais en fait, c'est le problème de cette vidéo, tu peux pas te fier à l'apparence. Ouais, la tête d'homme, les refs, je mets 16 euros. La tête de. C'est ah, pas commun, possible. Du coup. Bah oui, c'est commun, ça peut pas être de luxe, frère. C'est une dinguerie, c'est de luxe. Ah. Oh, 400 euros. C'est quoi? Ruslan Baginsky. Ah, hat, chapeau. C'est un chapeau? Au nom d'Allah, même si je suis milliardaire, j'achète pas ça. Mais la vidéo, wesh. On me le donne, je le jette. Non, mais la vidéo, on me le donne, je le jette aussi. Vas-y, bientôt c'est mon anniv, le 5. Papa, il m'offre ça. Tiens, Adem, pour ton anniv. Je vais faire quoi avec ça, moi? Même si je sais, il y a de la valeur, c'est mort. La tête d'homme, je le jette, moi. Bakinski, c'est russe. Ah bah oui, c'est les chapeaux russes. C'est ça, les chapeaux russes? Mais si, c'est un chapeau russe, là, qu'ils mettent quand il fait froid, c'est ça. Est-ce qu'on peut afficher un russe à l'écran? Avec ce chapeau. Vas-y,
flop total. Oh, oh c'est quoi? C'est quoi ces façons ballerine bottes? C'est des ballerines talons. C'est horrible. Non, ça je connais ça, c'est sur Asos. Mais regarde le cuir, ça se voit tu pues des pieds avec ça. Wesh, c'est un sabot, c'est des sabots de chat. Hein? Il y a une séparation au milieu, vas-y frère. Ah Zama, faut avoir vraiment les orteils séparés quand tu mets la chaussure. Putain, je sais pas du tout quoi en penser, ça m'a trop perturbé là depuis tout à l'heure. Ça doit sentir vraiment le brûlis dedans. Ça c'est un truc de luxe. Ça se voit déjà le cuir là, il pue. Tu vois, tu sens la paire, elle sent le riche, ça sent l'animal qui vient de se faire buter dedans. Mmh, non mmh. Tu comprends rien. Je sais même plus où. Ah, je suis perdu frère. Je sais pas, là, la famille là, je vais commencer à dire au pif. Hein. Moi c'est un truc de femme, les femmes elles me font peur. Dans les trucs comme ça, ça ressemble à rien, ça pue, ça ressemble à un pied de brebis, la tête d'homme ça coûte 400. Allez, 350 euros. Pour moi ça. Donc ça c'est du luxe. Ça c'est du luxe frère. Si c'est du luxe, la tonnerie c'est trop moche. Non. Pour moi c'est du kiabi, 22,50€. Ouais, oui. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, oui frère. Vas-y, on regarde. Oh Maison Margiela, 720 euros, ballerine Tabi. Mais attends. La tête madame, je suis plus riche du monde, ma femme, elle achète ça, je prends la paire, je la gifle avec, frère. Non mais ça, je vois, c'est quoi en fait? Mais c'est une dinguerie, frère. Tu sais, c'est la catégorie au-dessus des riches, ça. Ouais, ça veut dire même quand ils mettent de la merde, ça coûte cher. Pour nous, c'est un truc normal, mais pour eux... T'as tout ça pour puer des pieds avec... Attends, t'as gagné du coup. Pourquoi? T'as dit 320 euros. Ah c'est vrai, j'ai du luxe moi. J'ai du luxe de base. Ouais, je perds encore, ça fait 3 fois. T'as dit 22 euros à Kiabi. On n'a pas le même Kiabi, frère. Non, celui-là, je l'ai vu à Carrefour tout à l'heure. Les fêtes de Noël, tout ça, je l'ai vu. Je l'ai vu à un market en promo tout à l'heure, 14 balles. Ça, c'est commun, ça, on va pas nous avoir. Je crois vraiment qu'il y a une marque de luxe qui a fait un feat avec un cerf. Une marque de luxe? De luxe, tu m'as compris. Est-ce qu'il y a une marque? Ah, il y a moyen North Face. Non, il y a une petite collab. Collab avec les cerfs. Ils ont fait une collab avec le Père Noël, genre. Putain, je sais pas c'est quoi sa mère. Je pense que celui-là ça doit être du luxe. C'est sûr que c'est fait en peau de canard. Moi j'y crois pas. Non, celui-là je l'ai vu comme je vous ai dit à Carrefour tout à l'heure, je suis passé. En plus il est mal centré et tout, il est tordu. Comme Carrefour ils prennent la confiance, j'aurais dit quand même 29 euros, mais produit commun. Donc... J'avoue, il est tordu le truc. C'est un truc d'épaule, on voit l'épaule. C'est un truc de meuf. Alors? Ouais, commun. Commun aussi frère. Combien? Commun. 29 balles. 18 euros. 18? Eh oui, on savait. Ah, 8,99€, j'ai eu peur, moi. Je suis plus proche. Ah ouais. 2 points. Bah en tout cas, je l'ai bien vu à Carrefour tout à l'heure, c'est pas pour rien. En vrai, ça me rassure, tant mieux. Non, ça vaut son prix, c'est de la merde, ça, wesh. Eh, c'est commun, c'est pas de la merde. C'est de la merde. Même un SDF, il met pas ça, wesh. C'est un produit. Quoi, wesh? Vous avez déjà vu un SDF comme ça, dehors? Il a une parka au moins, wesh. Vas-y, prochain. Une parka. La tête d'homme, laisse-le. Prochain produit. Oula, c'est quoi ça? Ça, c'est une ceinture. Oh, ça se voit, coûte cher. Ah, pour moi, ça, c'est... Il y a un petit V. Pour moi, ça, c'est Vénus. C'est hyper cher, ça. Okay, Vénus, c'est quoi, Vénus? Mais tu vois, elle est propre sur elle. Ça se voit... Ouais, mais AliExpress, ils font des trucs niveau design comme ça. Tu le reçois, c'est... Non, pour moi, ça c'est commun. Moi, j'aurais dit de luxe, ça, c'est plus une ceinture genre 300... 250 balles. La famille, avant de vous révéler si c'est commun ou de luxe, mettez un maximum de pouces bleus, les frères. C'est important, parce que fais-le, c'est tout. Alors, eh oui, 2 euros une ceinture. Je te l'avais dit. Le truc, il était parfait, ils vendent du rêve comme ça pour 2 euros. Jamais. Non, mais en fait, c'est AliExpress, les fraudes. J'avais, j'ai fait une collab avec un site comme ça. Ouais. Et il y avait plein de produits trop beaux à l'affichage, mais le prix ça suit pas du tout. Ouais. Et surtout la qualité quand tu le reçois, pas fifou. Ah ouais, c'est quoi la collab? Ah, je ne dirai pas. Non, en vrai, c'est super qualité, franchement. Ok, il fait des trucs douteux. Tire une balle dans le vide. C'est une claque. Oh, je fais du dropshipping. Gaze. Bon, du coup. Ouais, bref, quoi qu'il en soit, j'ai gagné, je m'en fous. Après, c'est AliExpress, 2€, c'est pas pour rien. Et dites-vous, vous allez recevoir juste le V à la maison. Bon, les amis, on passe au... Waouh, Michelin. Là, on est sur du Michelin, les frères. On dirait les brioches dorées. Je sais pas, mais y'a trop de bourrelets là. Non, ça c'est du ultra, ultra luxe, ça pour moi. Tu penses? Ça. C'est vrai que les trucs de luxe comme ça, tu vois, en peau de fourrure comme ça où t'arrives. Tu vois. Je te rappelle, même maman, elle avait un truc comme ça, mais tout noir. Ah, mais c'était commun. Oui, mais c'était un commun, mais au-delà de 30 balles. Elle l'avait acheté au marché, mon ref.
au marché. Combien? Elle avait acheté même pas 30 euros. Ah, me dis pas au-delà de... Ah mais oui. Ah, mais me pas... Arrête, toi aussi, tu vas me dire ça, imaginons ça coûte 35 euros, c'est du luxe. Mais de dehors, frère. Le luxe, ça commence à rentrer, tu sais très bien les prix du luxe, abuse pas. Ah bah moi ça, je dis 1400 balles. Moi. Mais t'es un fou. Moi je dis 1400 balles, moi. 1400 euros. C'est vrai que luxe. Quand tu sors avec ça, t'as apprêté, le mec, tu le regardes, tu dis... Putain, lui, ça se voit, il y a de la thune. Moi, j'aurais dit luxe. Mais je serais pas allé jusqu'à 1500 balles. Moi j'aurais dit 800 euros. Non, pour moi, ça c'est de la fourrure de loup, frère. Ça c'est. Je pense que c'est du loup-garou. Ça c'est un budget de ouf, ça. Après, approche-toi, mon ref. Voilà, on dirait des pierres collées. On dirait du pneu. Non, c'est un piège, ça. Ça j'y crois pas, c'est pas du luxe. J'avoue, c'est une mauvaise photo, là. Ah, la tête. C'est dit, fiez-vous pas la photo. J'ai le droit de me retirer. Non, un minimum. Quand tu vas sur Gucci, les photos elles sont incroyables. J'y crois pas la photo. Je mets 28 euros. Ça c'est comment ça? C'est quoi? Attends, reste sur ton truc. Je reste sur mon truc, 1400 balles, je prends le riche. Vas-y. Alors. Oh lolo. 12 064,50 €. Ah, je croyais que c'était 1200, 12 000. Ah ouais, tu sais pas lire, 1200. Mais je vois trop de... 12 000. Manteau en chinchilla. En chinchilla, c'est quoi du chinchilla? Le chinchilla. C'est quoi? Je crois que c'est... C'est un loup. Voilà, ouais, je savais que c'était du... C'est du bœuf. Moi j'aime pas ça. Tu vois, on peut dire à Leia, qu'est-ce que t'as fait pour sauver le monde? Mais eux qui utilisent des koalas pour faire des manteaux. Ah, moi je suis pas d'accord. Franchement, mais c'est hyper cher, 12 000 balles un manteau. Après on va être honnête, hein. 12 000 balles, mais c'est vraiment moche. Oh, c'est du lapin. Oh les bâtards. C'est trop dur pour nous cette vidéo, je comprends plus rien. Non. Ça c'est un jean de clochard commun. Arrêtez. Ça y est. Je l'ai vu ce matin, j'ai été sur Paris, j'ai vu un pauvre monsieur SDF par terre. Il avait ce pantalon. Je taille pas, c'est ce que j'ai. Oui, mais c'est bon. Non, après, chacun sa situation, mais je l'ai vu avec ce pantalon. Tu lui as donné une pièce? Qu'est-ce que t'as fait pour changer le monde à ce moment-là? Bah, j'ai été à Monoprix, et je lui ai rien acheté. Je suis ressorti avec plein de courses, il m'a regardé. Je rigole. T'as inventé une ville? Non, mais j'ai déjà vu des clochards. J'ai déjà vu des clochards avec ça. C'est bon, mais c'est un truc de clochard. Voilà, bon. On va être honnête. Il y a du caca dessus. Ouais, mais... Il est déchiré. Non mais. Ça se voit, il pue. Il y a de l'odeur, frère, je le sens de là, là. Mais... Sache que si ça a été mis par la production pour qu'on le voit en gros. Oui, j'ai capté. Et bah c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un piège. C'est sûr qu'il y a un piège. Qui va acheter ça? Non. Ça s'achète pas, ça. 790 €. Non, arrête. 790 balles. Vas-y. Non, commun. Tu sais quoi? C'est quoi? Si j'ai raison, je te l'achète. Mais pourquoi faire? Ah non, sauf si c'est un produit de luxe, pardon. On achètera le faux, nous. Parce que c'est trop cher. Ouais, il se rattrape, ouais. Prends le jean, va dans le jardin et... Ouais, je me roule dans la terre. Putain, je sais pas où... Moi, j'aurais dit 14 €, ça, et là, c'est commun pour moi. C'est pas un produit de luxe, je suis désolé. Produit de luxe, 700 balles. Frère. Je reste sur mon prix. Oh, y a de la merde de pigeon dessus. Bon, les amis, verdict. Oh. On regarde. Le verdict est tombé, j'avais raison. 2000 €. Balenciaga. Ouais, Balenciaga, vous nous chiez dessus, mais en fait. Non, ouais, clairement, la tête. Wesh, ils ont créé un jean, ils sont sortis, ils l'ont frotté par terre, ils l'ont ramené 2000 balles. Ouais, c'est en fait, pour faire du luxe maintenant, faut rendre le truc le plus chap. C'est comme Picasso. Genre, il vient, il chie sur sa toile. Oh, t'as cru dire ça. Je vais mettre à dos tous les peintres. De toute façon, votre métier, ah, bref. Ça n'existe pas. Il n'existe plus. Frère, j'ai raison. Tu fais quoi avec ta chaussette? T'as pas honte de la montrer? C'est marron en dessous. En plus, ça sent le vinaigre. 2000 €. Ok, ça c'est un sac. On est sur un truc pour pêcher. C'est un sac à poisson. Non, y a moyen, les trucs comme ça c'est cher. Ouais, c'est un filet de pêche. Les trucs comme ça, c'est plus du luxe. Tu sais, les femmes là, on dirait elles ont un vieux sac, un vieux panier. Mais tu sais pas pourquoi il coûte 2500 € le sac. Je sais pas. Non, pour moi, écoute. C'est fait à base de toile d'araignée. Pour moi, ça aussi, c'est un luxe qui coûte 1100. 1100 €, je le vois bien. 2500 €, ça, c'est du luxe. Et pour vous, les frères, c'est combien? Starfall là. Ah, 9500 €. Ah non, mais Bilal, c'est toi qui gagne. Bon bah la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. Qui a gagné? J'ai gagné. Bah le gagnant de cette vidéo apparaît maintenant, voilà, on l'applaudit. Ah, je suis une légende comme d'hab. J'espère en commentaire vous avez joué avec nous un peu. J'espère que vous avez kiffé aussi cette vidéo. Vidéo simple, j'avoue, je vous le cache pas. Studio. Mais bon, vous voulez des vidéos?
on va être actif, mais il y aura de moins de grosses prods. Parce que là, on était sur un gros tournage à grosse production qui arrivera février, comme je vous ai dit. Et là, on va vous balancer plein de vidéos comme ça, avec les sœurs ou pas, ça dépend, nos envies. D'ailleurs, la famille, avant de quitter, venez tous sur Snap, adem.bilel. On snap tous les jours. Voilà, on va faire des stories. Voilà, bisous la famille, et n'oubliez pas de télécharger le jeu en description. Vas-y, bisous tout le monde. Salam la famille, ciao. Ah, je suis traumatisé du luxe. Moi aussi. On achète quoi? Elles sont mes Gucci.